Viens, Esprit de Dieu. Toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. Toujours à Kinshasa, nous sommes toujours à Kinshasa, comme vous le saviez, et eh bien par important les Aïbélé, tout tamboule un peu partout pour l'encontrer à ma compatriote également. En tout cas, le plaisir est pour nous de vous retrouver encore nombreux dans cette émission. Et puis, dernier virage à votre émission, c'est vrai que ma série Aïbélé a continué. Je crois que vous trouvez rarement attention à Bino pour avoir cet élément où vous allez retourner à Awa avec ma soeur Prisca, où vous allez vivre en tout cas en image. Une personne vivant avec handicap, pour comprendre en tout cas l'histoire d'ailleurs. En ça, un témoignage par rapport à ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas, dans la vie. Et puis, bon, voilà. Et puis, on va vous parler également sur Fondation Naïe, Fondation Prisca et Fomi, où ils allaient venir en aide, en tout cas, à la personne vivant avec handicap. Ils allaient vraiment témoignage moraux émouvant. Et je crois que ça sera quand même une occasion également pour la battre belle. Oh, puis, voilà la situation. Oh, yo, Yasser Namiso, bon, je suis perdu espoir. Je crois que à travers cette émission, vous allez un peu, disons, changer un peu façon d'abandon, n'est-ce pas, voir les choses, parce que dans la vie, il faut toujours persévérer, il faut avoir la détermination, avoir beaucoup de courage pour avancer, parce que la vie, c'est comme ça, ils ont toujours un balayage en haut, mais il faut toujours avoir beaucoup d'espoir pour avancer dans la vie. Alors, bon, d'abord, c'est Prisca. Bonjour. Merci en tout cas de me recevoir ici à l'école Yolanda. Merci beaucoup. Donc c'est Prisca Efomi, c'est votre nom également. C'est Prisca Efomi. Et puis le nom également de votre fondation. Prisca Efomi. Je vois que je vais déjà en image, je vais vous donner un extrait. Voilà, donc Baza Oumona, une très belle demoiselle. Demoiselle, c'est ça, on appelle la demoiselle. Demoiselle. Une très belle demoiselle, effectivement, mais bon. Mouni, Oyo et Comédien, la vie naïe, dans un problème, la niveau à l'Okolo. Alors. Tiens, parce que je vois que tout le monde est bandé. Donc, ça serait quand même intéressant là, toi, dans la mission, pour comprendre un peu ce qui est arrivé dans la vie. Comment est-ce que la situation est là? C'est absolument un témoignage par rapport à. Ça sera bilingue, ça sera français et lingala. Donc, personne n'est à l'aise en français, enregistrement en français, en lingala également pour la compagnie, parce que tu as vu que vous avez aidé. C'est plus lingala qui nous unit, également là-bas, les États-Unis un peu partout, c'est plus lingala. C'est pourquoi tu peux voir toujours que ça a plus dans lingala, pour mélanger un tout petit peu dans le français, pour la bonne compréhension. Dans toutes nos paroles, on va expliquer d'abord Bissot. Qu'est-ce que l'on est comme la communauté? Merci beaucoup pour la parole. On est la commune handicap qui a eu un accident. On a âgé à 6 ans. On a eu un arrêt de bus. On a eu un grand son. On a eu un grand son. On a eu un grand son.
ministère de transport. Tant que je suis à Nandaku, voiture et maintenant que je suis en direction, je suis en panne de frein. Donc, je suis en direction, je suis prise par la panique. On a qui met un contre un mur, on a qui pour se réfugier, on a dit que la voiture au passage. On a même contre un mur, on a tiré ma kinde pour traiter que ça pousse dans haut, qui ont déposé qui ont été capables dans un haut. Donc à 6 ans, à l'âge de 6 ans. 6 ans. Tu vous en âge né 25 ans. 25 ans, donc c'est pratiquement 19 ans tout le monde. 19 ans. 6 ans, jusqu'à l'heure où on a 25 ans. Donc c'était un accident où il y a un moteur qui peut voir en haut. Donc à l'âge de 6 ans, je crois que bon, moi, dans l'âge, on a comprendre que la bien c'est que c'était quand même difficile à ce moment pour comprendre ce qui s'était passé. Hein. Certes, c'était très difficile, oui. Vu l'âge, mais au départ, on avait dit que j'ai un handicap. Voilà. Quand on a 6 ans, c'est vrai qu'il y a moins bouquet. Mais comme on a âge, il y a 10 ans, on se rendait vraiment compte que j'avais un handicap et c'était très difficile au départ, il y a que sur mon temps. Voilà. Mais grâce à la famille, tout ça, dans la discrimination, déjà la famille, ils allaient quitter. Il y a on a se faire valoir mon anneau pour aider ou la famille. Les gens qui ont des difficultés, handicap, on a peiné à 100%. Voilà. Donc, aider dans la famille, bon, c'est vrai qu'à l'âge, à 6 ans, bon, c'est pas si facile. Ma classe, comment ça s'est passé également parce que. L'école, normalement, on a eu un peu de temps à l'âge mineur, soit d'être curé, il y a un handicap, il y a un bon côté. Mais il y a une difficulté, ma classe, c'était pour moi d'aller approcher. Vous êtes que Batouba va valoir, on a se faire valoir devant tout le monde. Il a été question d'un groupe d'amis, je me retire. Non, et ce sont un groupe d'amis, on a approché Bango à partir de Wana. Il y a courage dans la moko et fait ça qu'on sorte que Batouba se bat du manant tel que je suis. Parce que courage à l'Obtagua, parce que c'est pas facile, hein, parce que vous avez déjà la pression. On se sent déjà diminué, tout ça, et puis bon, bah moquer également, parce que là-bas, ah, je vois, tu vois, bah, Mickey, bah, blague à Mickey, Mickey, bah, moquer, ils ont raté, mais au plus à qui en web, parce que c'est ça aussi des problèmes, au plus à courage en web. Exactement, oui. Cela n'a pas été du tout facile. Oui. C'était une question de s'accepter. Okay. Faire confiance en Dieu. Je me disais, ceux qui n'ont pas c'est pitoyer, la sort, ça ne change rien. Voilà. Je restais toujours la même personne. Je gardais toujours cet handicap tout au long de ma vie. Il y a la personne qui grâce à Dieu. Chaque fois que j'ai prié, mais ça me fait ma force pour surmonter. Quelles que soient les insultes, et bien là où tu peux chauffer, on a dit, c'est outil classe, au bout de l'union, on a transport, mais ah, ben, handicap, tu as ma faux tête. Ou quand tu es mes suyaux, tu rentres à la maison, ben, tu es là. Mais au fur et à mesure, on a un peu plus, ça ne vient qu'à prier. Na banalisant on a mon encadrement parce que c'est ma vie, je vis avec, je dois faire avec. Avec ça, voilà. Ça c'est vrai, vivre avec ça, hein, depuis personne vivant avec handicap, c'est ça aussi la difficulté. De l'âge à 6 ans, surtout comme on a 25 ans, bon, on peut suivre l'étude d'ailleurs normalement, sur le niveau ni. Diplôme. Tu as un diplôme, voilà. Comme d'état. Oui. Est-ce que ça a été facile comme ça pour étudier dans ma condition? C'est vrai que tu es en Congo. Congo, condition de la facilité. Très difficile. Très difficile, surtout pour nous les personnes handicapées. Mmh. Moi, normalement, la bonne équipe dans Congo pour la personne handicapée, ça devait être gratuit dès le départ. Dès le départ. Voilà. Ils ont la gratuité, c'était compliqué. Au Bengana, au classe, pour la frais scolaire, Benganio, déjà là, c'était compliqué. Voilà. Barré début, c'était compliqué. Sur le mot de transport, il y a des jours où j'étais obligé de faire les pieds de chez moi jusqu'à l'école. Pourquoi? Chauffeur à taxi, Benga, la personne handicapée, faut tête. Tout cela, des classes, discrimination exactement. Mais la force qu'on a, on a su avancer et finir les études. Mais peut-être pour la Bami également, est-ce que tu as quand même eu également l'encouragement à Bami? Est-ce que vous en avez mis au pénal nous en avons? Ou alors c'était vraiment. On oublie la famille, famille qui est toujours avec toi. Mais Bami, comment est-ce que ça s'est passé avec des amis? Déjà, ma camarade, c'est compliqué. Ma camarade, il y a classe est aussi qu'en classe et ceux qui n'ont classe sont abonnés directement. Okay. Mais après les études, ça les raconte à quelques amis, sont des amis qui m'encouragent à 100%. Okay. Sur tout ce que j'ai fait. Déjà, comme ma camarade, dans notre salle, les relations, comme ma camarade, se poser une question sur handicap, t'es pas un bon ami. Il faut savoir pourquoi tu vis comme ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui, exactement. Ok.
Alors, à chaque fois qu'un autre tu sais relationner un camarade, moi, il va que tu te poses une question sur mon handicap, tu n'es pas mon ami. Ah, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours poser? Pourquoi c'est gênant tu... aussi. Hein? Si, c'est gênant, mais il faut en accorder. On parle de tout avec cet ami. Les vrais amis, ils ont beau la nini on sort. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu arrives à ces niveaux? Pas moins de vrais amis en Rwanda. Et à chaque fois que je décide de relation, tu dois me poser cette question. Je suis, on est amis, mais habiter comment est-ce que j'ai cet handicap? Je suis né comme ça, c'est un accident. Vous posez la question, tu es obligé de me poser cette question. Okay. Alors grâce à Dieu, j'ai 5 amis, 5 vrais amis qui sont, qui connaissent très bien mon histoire, qui m'aident à tout ce que je veux. À chaque fois que j'ai une descente, ces amis-là m'accompagnent. Ça c'est vraiment un témoignage moraux et émouvant. Presque, il faut courage, parce que détermination, c'était vraiment une émission. Il comprend quand même la battre. La situation est basée sur le courage également. Parce que je crois que la situation de handicap, maintenant, comment est-ce qu'il faut que ça repuiser force pour surmonter? C'est ça toujours la grande difficulté. Mais exemple, a toujours très joyeuse dans un monde. Il est toujours au fondement. Très souriante également, vous en avez toujours bien abattu. C'est un peu ça, c'est quoi? C'est peut-être quoi tu crois en Dieu également, c'est ça? Prière ou quoi? Oui, c'est la base. Croire en Dieu, c'est la base. Voilà. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en toi non plus. Il faut croire en Nzambe et puis au croire en Ayumuro. C'est par là que comme la force est inexplicable. Voilà, donc maintenant tu as créé la fondation Prisca et Foum. C'est depuis quand d'abord vous créez cette fondation? On a créé la fondation parce que c'est en 2017. J'avais $100. À $100, on est en ministre. C'est avec le 23 décembre 2017. Ouais. Bon, j'ai vu que les écoliers n'ont pas fait là. On a contacté quelques amis. On a $100 pour organiser des centres le 25 décembre. Donc, il y a un pourquoi ne pas créer une fondation où tout le monde mettra sa main pour aider ses enfants. D'où l'idée m'est venue de créer la fondation Prisca et Foum qui existe de 2017 jusqu'à aujourd'hui pour continuer d'aider les autres. Voilà, donc fondation depuis 2017, mais concrètement, l'activité de nos salariés, c'est pour quel objectif finalement? Pour aider Bango, bon, c'est bien dit pour aider Bango, mais dans quel sens pour aider Bango? Comment est-ce que ça va finalement? Aider du côté nourriture, scolarisation, là tout le monde le fait. Voilà. Je suis beaucoup plus basée sur les personnes handicapées. On a, jusque-là, on n'a pas de partenaire. Je crois que Dieu aidant, on aura des partenaires. Nous avons aussi un acteur pour fonctionner dans le calendrier mondial africain. À chaque fois qu'il y a une activité mondiale, on fait la descente sur le terrain pour aider les personnes handicapées ou soit les enfants vulnérables. Mais notre projet à la longue, ils ont créé un centre de formation pour les personnes handicapées. Ça, tout le monde le sait. Les personnes handicapées n'ont pas eu la chance d'étudier comme d'autres personnes. Pourquoi mes parents, parce que moi, la mort à votre ami, on dit qu'à peu près la malédiction à côté de moi, on est côté au banc à basse, c'est comme on a banc à basse, fin à moi, du coup. Personne handicapé va tanguy basé bénéité. Voilà pourquoi la fondation Prisca et Foum est là pour créer un centre de formation pour les personnes handicapées et dépendre à des cordonneries à la coupe et couture et dépendre à des âges nions au bas à la bienvenue dans centre de formation fondation Prisca et Foum. Voilà, déjà là, Olbi, vous avez fonctionné dans le moyen de bord, le moyen propre, vous avez un partenaire, mais concrètement. Bonjour, vous fonctionnez des nids. Moi, des bons anglais, c'est-à-dire, il y a un bon là, il y a un bon approche d'ailleurs. Est-ce que les familles doivent contribuer? Comment ça leur rapport là pour aider quand même au Bazali Naba? Pour aider tout Bazana, quand il y a des difficultés, à chaque fois, il y a un appel de fonds dans les réseaux sociaux. J'ai un groupe d'amis, je viens de les dire, tout ça, la caisse, la bisoto, à chaque fin du mois, vous avez $10, vous avez $5 pour épargner. Vous avez des amis, c'est-à-dire avec des amis? Oui, avec des amis, oui. Tout ça, la capelle de fonds à les réseaux sociaux, nous devons contribuer. Et qui par montant de $5, 1000 francs, 10 000 francs, $100, il y a moyen d'acheter ça va descendre sur terre. Ils ont marché, ils ont contribué. Voilà, mais tant que vous avez appartenu, mais sur la fondation, cette fondation est d'abord reconnue ici, la Kinshasa. Vous avez reconnu? Oui, la fondation, est reconnue. Nos documents, ils ont un mabo pour un avocat. Ils ont assis déjà, quant à nous, de.
données restent en bon état, il y a quelque chose à récupérer. On est en train de voir ça d'ici ces mois ou les mois prochains pour récupérer nos documents. Ah, donc c'est grave pour récupérer les documents, comment est-ce qu'il y a l'État? Il y a tout à ça, la nion, ça va signer, tout au signal déjà. Avocat congolais, tout cas, moi, on a $200, on a mis en plus, tout au signal, on a raté. Mais à chaque fois, on a un partenariat, tout au signal, tout au papier, tout au signal, tout au signal, tout au présenté pour nous, tout au signal. Ok. Alors, mais ce que. Dans la fondation, il y a un membre de la fondation. Est-ce que tu as un membre de la fondation? Quelles sont peut-être les conditions pour que tu aies adhéré à la fondation? Pour le moment, seule condition, c'est qu'on a adhéré à la fondation. Ils ont un souci pour aider. Si on a un souci pour aider, tout ce qu'on n'a pas de partenaires pour moyen d'adhérer à la fondation, ils ont été. Sans un associé pour aider Moutouté pour adhérer. Du coup, on a notre propre fonds à Bissomoko. Voilà. Je ne pense pas que Moutouté soit dima à adhérer à la fondation tant qu'il y a bon à chaque fin du mois et puis le bobo yango. Alors, pour adhérer à la fondation, la seule condition de la RAFA, c'est dima pour contribuer un petit rien chaque fin du mois. Et vous avez un montant fixe pour savoir alors vous êtes comme ça, vous devez savoir quoi faire ça. Non, montant fixe c'est zaté, vous devez savoir ce qu'on va pas aller. Ouais. J'ai toujours l'habitude de dire pour aider une personne malheureuse, ça ne demande pas grand chose. 500 francs ça peut aider une personne, 1000 francs, 2000 francs, 100 dollars ça peut aider une personne. Donc montant fixe c'est zaté pour nous aider. Mais est-ce qu'on a la situation également est sur le handicap également, ma casse également pour les appeler très haut. Quelle est votre appréciation d'ailleurs point de vue des années tant que soit en abango le nouveau va par rapport à battre le basali la situation handicap donné au moins la ligne est précieuse année une fois dans moi il y a mai et année passé l'heure bas la saki covid 19 temps bas la saki covid la saki descend pour la covid chez les personnes handicapées comme un bon boulot pour bas cache nez bas désinfectant bas soupe dans ce format beaucoup j'ai tant sous la na bango certes bas la difficulté à ma casse peut-être moi je vis bien autant la place bas la difficulté autant la colère surtout colère na bango moi je pense que si la seule main pour aider bas dans une autre question c'est décide nous tous aujourd'hui pour porter un soutien pour toutes ces personnes. La montée de la Mandela, il y aura encore des personnes handicapées qui sortiront pour demander de l'argent. Alors on a dit ça toujours, tant que Yomoko, on dit qu'on s'est valorisé, il y a des moments, il y a eu des moments difficiles dans ma vie, je les vis jusqu'aujourd'hui. Ça t'arrive de te réveiller le matin comme si j'en ai payé un peu 500 francs. Tu te dis, bon, moi je ne sors pas pour demander, j'ai un handicap, certes, mais mon handicap n'était pas l'isole au thème de quoi venir en scène. C'est ça, bon, moi, chaque fois. Si vous limite congolais, image de la personne handicapée qui est dans ma baie, pourquoi lui son moco. Et les personnes handicapées, moi, j'ai 500 francs, je m'ai terminé un point à 5 là-bas. Mais le jour où toutes les personnes handicapées vont se décider de ne plus demander, de rester chez eux, on aura certaines valeurs. Même si on ne se rapproche pas tellement à Congo, inexplicable, s'il faut le dire. Il y a des personnes handicapées, certes, ma tant handicapées, c'est 15-20 personnes handicapées licenciées, basali. Mais le fait que les personnes handicapées soient bimaba senga libanda et longola valait à toutes les personnes handicapées restantes. Le jour où on va se décider de ça, c'est peut-être que nous sommes, ça fera ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Mais il y a aussi d'autres associations également, on va venir en aide à la personne handicapée. Est-ce que vous en avez contact également là-bas, association Moussousou, tout ça, est-ce que vous avez comme ça des réunions? Est-ce beaucoup de... On a contact, on a deux fondations, pour les aider à la personne handicapée. Déjà, tout le monde a besoin d'une activité à Bengisanga. On a besoin d'une activité à Bengisakabango. S'ils ont des conférences, je suis leur invité à chaque fois possible. Déjà, chaque personne a quitté ce monde a une conférence à une personne handicapée. On a comment vraiment l'image de la personne handicapée na Kinshasa, s'il faut dire. C'est bien. C'est une référence en fait. Exactement. Alors, tu sais bien quoi une référence là. Courage. C'est le courage. Oui. Ça c'est bien. Mais peut-être par rapport à la vie dans le quotidien, tout ça, est-ce que les années où on a eu le bagage, on a eu parce que la situation est un handicap. Peut-être des fois, on a eu le bagage. Ah, ceux qui ont eu le handicap, ils ont eu le bagage. Ils ont eu le vie, ils ont eu le bagage. Non, je ne sais pas si la kate. Le seul regret, c'est quand je ne mettais pas de jeans, pas de pantalon,
peut-être un pantalon à ta pantalon tendu. Après, il y a un créé style dans la pantalon, mon beau monde. On a créé style dans les salles régresses à la pantalon. Ok. Oui, tout ce qui est travail à la maison, travail ménager en tant que femme, je l'ai fait. S'il faut aller au marché, je pars. J'ai aucune difficulté quand il s'agit de ma vie quotidienne. Ok. Voilà, c'est Prisca, c'est vraiment un plaisir de partager d'ailleurs cette émission. Fondation Prisca et Fomi, vous avez besoin de coordonnées, tout simplement, coordonnées pour la bateau, on va contacter d'ailleurs directement. Je crois que la porte vous a ébellé. Vous allez toujours ébellé, vous êtes là. Je crois que bon, on a bien, 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 on a bien. Donc tout d'abord dimanche, voilà, bon, vous savez, enveloppe. Je vois qu'on s'en basali qu'on recommande Bissot, c'est ça. Ça dit que qu'on aide, bah tout bas, on va dans le besoin. Les personnes vivant avec l'handicap, bah orphelin, bah femme veuve, basali belé. Je crois que tout coûte la banque belé. Boumoni, bah association belé, tout coûte la banque awa, bah orphelinat tous les gars qui. Je crois que bah aide la bino. Mon place nous a bah au pambo la bino dans la place, voilà. Bah on va lui bah aider sur la biso Prisca, Prisca est formé la fondation aïe Prisca est formé parce que Boyoki ça dit que ouais tout ça les alliés bah moyen de bord donc à ça formant la ma quitter ça là ouais ça comme dans mukemuké à ce moment comme ça là pour aider mukemuké mais je crois que ma canisse naïe comme à l'objectif j'allais créer ma centre de formation parce que je crois que ma personne vivant avec handicap c'est ça les grands problèmes c'est lié à la formation mine bah tout temps raté parce que bah après la moyenneté avec discrimination Boyébi à l'objectif moko on nous coûte un taxi Boy faut être tel que taxi mène à bus faut être c'est à dire que même dans l'école également discrimination ils allaient vraiment énorme alors que ma potentialité est belle la bateau maintenant vivre avec handicap mutu ça la galam mais autant en dégaine à vous ça comment ça va se prendre en charge parce que c'est ça c'est le grand problème handicapé bateau maintenant handicap ils allaient c'est synonyme de la mendicité c'est ce qu'il faut bannir ça je crois qu'ils allaient vraiment le retour se tenter mais beau et dessert à bus puisque la fondation aille Bon, il y a un numéro de téléphone pour que je puisse me faire un peu de soumission à la fondation et que je puisse au centre de formation pour que je puisse faire une formation à la bateau pour vivre avec un handicap. Je ne sais pas comment se prendre en charge au lieu de la conseil. C'est ce qui diminue également la valeur de l'handicap. C'est-à-dire que beaucoup de mondiaux, c'est normal parce que je suis en moyen de. Mais il y a un lobby, je crois qu'il faut toujours qu'on se valorise soi-même. Hein, donc, à tous les gens, il faut que nous appuyions de façon que nous soyons simplement, il y a que 5 ans dans la bande. Donc, il faut ma formation et salement pour la bateau, pour aller vivre avec un handicap, pour que bah, apprendre un métier, et puis le métier n'est pas permis de bah, pas être autonome par rapport à la vie dans la bande. Après, puisqu'il y a toujours tant d'unité, je crois que l'Andio, vraiment l'Andengue, il y a ma casse. Te retrouver vraiment avec toute la famille ici, ma yaya, ma maman, ma sœur dans la monnaie. C'est vrai que ça commence aussi dans la famille. Donc je crois que morale prise à la bien, il faut d'abord encadrement sur le plan familial parce que Ming, au bas de la situation, ma vu en côté. Famille aussi, ma régitant, ma montre, ma témoignage, j'ai bien la bassance, ou au moins là. Mais il y a aussi un autre. Il y a un autre. Il y a un parent également. Pour la bateau, on a un peu partout à travers le monde. Avant d'aller au Banazo, profiter de lancer message moko hier lundi 17 mai. Il y a qui visite l'orphelinat, on a célébré. Du coup, il y a une. C'est quelle fondation comment on est c'est ma part. Voilà, on était là. On était là hier lundi. Du coup, il y a 6 nourrissons. Basana posa aide na biso na tant que fondation na ndimina et des bana wana sa descente moko au mois de juin prochain pour na mer bango pampers mili kina mafuta alors je fais appel à toutes les personnes et à bonne volonté ba accompagner biso le mois prochain le 20 juin pour na ba nourrissons à 6 alors pour na ba parents les parents qui rejettent les enfants handicapés un enfant handicapé n'est pas synonyme à malédiction. Un enfant handicapé a besoin de vivre comme tout autre enfant. Un enfant handicapé a besoin d'étudier. Discrimination est où tu as parti, il y a famille, il y a parents, il y a des salis qui sont là, personne handicapée, il y a enfant handicapé, il y a un enfant handicapé, il y a un enfant handicapé. En tant que parent, ce que vous dites, moi, j'ai un handicap, il y a un de quitter. Il y a un peu de temps, peut-être qu'il y a une étoile dans le lobby pour aider.
En passant, moi, je remercie ma famille pour notre amour, pour notre soutien, pour notre aide, pour notre nion sur la salle. J'ai une très bonne famille, je ne cesse de le dire à chaque fois que je suis dans une émission. Voilà. J'ai une bonne famille qui m'aide en 100% en tout et pour tout. Merci beaucoup. Merci Prisca, Fondation Prisca et Fomi. Mais aux appels, on a pour ça quand même au bal aussi. Ça arrive que ça va pas dépenser à ça. Bien sûr. D'avoir une famille. Bien sûr. C'est qui, c'est intéressé. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, effectivement, les Aligas vont en Zambé. Hein? Donc ça va arriver sûrement. On va voir en Zambé. Merci en tout cas pour cette opportunité. Je crois que tout a été dit. D'un sur le mot au bac pour les Aligas. Par rapport à la fondation Nayo, on n'a pas dit, on souhaitait quand même au bac ça. Non, ça va, tout a été dit. Tout a été dit. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir de partager cette émission avec Prisca et Fomi, avec sa fondation et Fomi, comme je l'ai dit en tout cas ici dans l'émission. Aider pour que à avancer la grande fondation Nayo. Les numéros de contact sont là. Je crois que vous pouvez vous contacter en contact directement avec Prisca. Il y a aussi un numéro de compte pour l'environnement, pour ceux qui veulent en tout cas apporter contribution à la financière pour l'avancement. Donc il y a Fondation Prisca et Fomi. Merci Prisca. Merci. Et puis courage encore une fois. Et surtout félicitations parce que c'est pas facile. Je crois que c'est pas facile. Je vais vous demander au Wanandi. Pour la regarder vraiment tête haute, regarder en haut, et c'est quand même. Et c'est vraiment bleu et belé. C'est vrai qu'il faut peut-être prier beaucoup, qu'on a plus dans Zambé, qu'on croit plus en l'avenir. Je crois que c'est ce qui est. Ils allaient qu'on caractérise en tout cas notre sœur. Prisca, elle allait qu'on tenir en tout cas parce qu'elle allait déterminée, courageuse, pour la affronter en tout cas. Handicap là et puis aller au-delà de ça parce que je vois qu'ils ont aussi autant aux handicap boy vous développez force moussous parce que tu as un handicap mais j'en suis notre force oui moi j'ai vu qu'il n'avait pas mais qu'est-ce que je peux développer encore en plus pour surmonter n'est-ce pas faiblesse en ango c'est ce qui manque aussi dans moussous ça dit que azan ango mais ami l'imbécile à lui à mentiki je vois que c'est pas ça qu'il faut avancer parce que la vie c'est comme ça, il y a des aléas dans la vie, mais au coin, au télémi, au avancé, parce que la vie c'est comme ça, nous avons des moutons, la vie. Merci en tout cas, ma soeur, merci à Bato Bolandi Bisso, partout à travers le monde. Voilà, tout comme dans cette émission, on se retrouve prochainement dans le prochain numéro de Neverage. Merci, à très bientôt. Merci.